lundi, vendre des baskets. Et elle est partie comme ça, d'entrée de sol. On s'en fout là. Oh, somewhere deep down in my heart, hey, I still love you. Ne pas être un ancien dealer. Chaka, l'arme de vrai. Cool, c'est bon, c'est ce que je voulais. Bah, je les ai pas vus, je vais les essayer. Fais deux spies. Mais non, tu les essaieras chez toi, frère. Vas-y, fais deux spies. Mais non. Fais vite, frère. Mais non, mais attendez. Frère. Quoi? Vaut mieux que tu fasses deux spies parce que tu vas me faire remarquer. J'ai le droit de pas être rapide. Je suis en week-end là. C'est ta pointure, frère. Tu vas les essayer, tu vas kiffer. Tu vas être illuminé, frère. Vas-y, j'essaye ces baskets. Mais non, frère. Vous me laissez tranquille maintenant. Frère, fais deux spies. Mais deux spies, pourquoi? J'ai le droit d'acheter des baskets. Mais oui, mais ne pas avoir la bique, ne fait pas le moine. Bonjour. Excusez-moi, s'il vous plaît. Elle a quoi cette paire? Bonjour, c'est un. Moi, je travaille pas ici. Je suis pas vendeur. Ne pas être collectionneur. Juste après Tagano, voilà, j'avais une envie. Bonjour. Oui. Je peux essayer celle-là en 43, s'il vous plaît. Trinomique argenté. Ah, désolé, j'étais déjà bien tenté. Hein. Et alors? Et alors quoi? Tu commences dans la rue avec les mêmes pompes aux pieds? Qu'on a l'air de deux cons, hein? Non, c'est bon, quoi. Je te connais pas, je traîne pas avec toi, moi. Ah, ok, donc le mec n'a aucune originalité. Le mec est obligé de pomper sur l'autre pour exister. Super. Si je saute d'un pont, tu vas sauter d'un pont? Non. Si je mange un sandwich au cornichon, tu vas manger un gratin? Allez, casse-toi, toi, dégage, là. Tu fais quelle taille de pied? 43. Et Thomas, il nous reste des 43 en parapluie? Ne vraiment pas être collectionneur. Bon, monsieur le copieur, j'ai trouvé le compromis. Ce modèle, c'est la seule paire qui existe en France, ok? Oui. Seul souci, c'est du 45. On essaye? Vas-y, ok, ouais. Okay. Ah voilà, regarde, on dirait même pas que c'est du 45. Ok, mais ça, c'est un sandwich. Ça, là, ça, c'est un sandwich. T'as pris un sandwich et tu l'as mis sur mon pied. Ah non, mais c'est la mode. Ne pas mettre un jean sur sa tête. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Déjà enlever le jean que vous avez sur la tête. Jamais! Ne pas être une grosse caïra. Excusez-moi, je voulais savoir pour cette paire-là. Quoi? T'as dit quoi là? Qu'est-ce que tu veux là? Bah, dis-moi, tu veux quoi? Vas-y maintenant, tu veux quoi? Maintenant que je fasse à toi là, tu veux quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y maintenant, dis-moi qu'est-ce qu'il y a maintenant. Dis-moi maintenant, je suis là, j'ai fait le déplacement, tu veux quoi? Vas-y. Si vous l'avez en 43, c'est tout. Tu veux quoi? Tu veux que ça? Tu veux que moi, là, devant tous les gens là, tu me demandes à moi d'aller chercher la paire de basket. Tu veux j'aille checker la taille, mec, ouais, c'est oui, ça oui. Tu veux j'aille checker la taille? Bah, tu sais quoi, je vais y aller là, je vais dans la réserve là. Il y a tous mes poteaux là-bas, tu vas voir, on va revenir là, on va te donner ta paire de basket. Tu vas voir, bouge pas, fais le malin comme ça, haineux là. Vas-y, tu vas voir, bouge pas d'ici, tu vas voir, j'arrive là. Je vais voir quoi? Vas-y! Mais là, je t'attends! Tu m'as dit quelle pointure déjà, tu m'as dit? 43, c'est vas-y, la je vais voir. Bouge pas, je te dis. Ok. Ne pas être trop susceptible. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Non, c'est Ira, monsieur, je regarde seulement en fait. Ok. Vous avez pas besoin de mon aide, quoi? Non, c'est très gentil, monsieur. Je me débrouille. Vous connaissez toutes les baskets. Pas besoin de personne, quoi. Le mec, il connaît tout, le gars! Il connaît toutes les baskets, besoin de personne! Ne pas avoir l'esprit trop commercial. C'est bon, tu les prends, mon frère? Ouais, je les prends. Ah, t'as bien fait, frère, elles sont belles, c'est vrai. Hey, cousin, regarde, je vais te conseiller un truc, tu me dis ce que t'en penses. Tu vois, c'est un produit d'entretien comme ça, tu passes un coup sur la basket comme ça, après elle est nickel. T'en veux un? Ouais, bah vas-y, comme ça, ouais, c'est bien d'entretenir ces baskets, tu vois. Frère, regarde, je vais te conseiller un autre truc, tu vois, parce que sinon on a tendance à salir le produit, tu vois. Et en fait, ce qu'il faut faire, tu vois, nous on voit des petits chiffons comme ça, et tu nettoies ton produit d'entretien. Comme ça, le produit d'entretien est nickel et la basket elle est nickel, t'en veux un, frère? Tu nettoies avec le chiffon le produit? Ouais, tu nettoies un petit peu ton produit, comme ça le produit il est nickel, je t'emmerde, mon frère. Vas-y, ouais, comme ça. Ouais, t'as raison, ça va être nickel les baskets. Tiens, je vais te conseiller ça, tu vois, ça en fait c'est un gant. Tu sais, t'as tendance à prendre ça avec ta main et tu salis le truc, tu vois, et du coup la basket elle est pas nickel. Là, t'enfiles le gant et comme ça la basket elle est nickel, je t'emmerde. Bah vas-y, comme ça j'aurai le kit complet. Après, le problème c'est que des fois, tu sais, ça traîne dans la maison et tout, ça c'est un peu sale et tout. Du coup, ce qu'on fait en fait, c'est que moi j'ai construit des petites boîtes comme ça, dis ce que t'en penses. Tu vois, et là tu mets tes petits produits d'entretien dedans comme ça. Comme ça, la basket elle est nickel, tu vois, je t'emmerde. Bah vas-y. Mais... vas-y, je t'ai bien fait, frère. Comme ça, la basket elle va être nickel, tu vois. Ok. Et tu sais, la boîte là, je sais pas, elle traîne à gauche, à droite, des fois tu la casses, des fois c'est la scène ou quoi. Ce que je fais en fait, c'est que. Tu vois, je loue des appartements comme ça tu peux mettre ta boîte dedans et comme ça, la basket elle est nickel. Tu veux un appartement? J'ai pas trop d'argent, tu vois. Enfin, je suis pas riche, quoi. Tu vois. Ouais, mais tu sais, c'est. En fait, moi, j'ai acheté l'appartement, toi, c'est 600 euros par mois, en fait. C'est rien, et comme ça, la basket, elle est nickel. Vas-y, viens, on va aller voir le notaire, tu vois. Prends tes baskets, viens, on va voir le notaire. Tu mets ce que t'en penses, comme ça, la basket, elle va être nickel. Ne pas être trop lourd. Alors, vous la prenez à cette paire, monsieur? Franchement, frère, je sais pas. Vous savez pas ce qu'elle a vécu, cette paire, monsieur?
Vous la regardez, mais vous savez pas. Elle était fabriquée seule en Chine, au milieu de vêtements taille, taille XS, L, alors que c'est une basket taille 54. Cette paire était seule, sans parents. Elle a été recueillie par des parents qui se sont un jour suicidés devant elle. Nous, nous voulons nous suicider. Mais pourquoi vous suicidez? Parce qu'on est des ATMI. Mais non, vous êtes des géantes. Mais c'est pire. Elle se retrouva alors seule sur ce bateau. Elle arriva à Paris seule, sans scratch, sans lacets, sans rien. Sans eau, sans nourriture. Wow, wow, wow. Les baskets, ça mange pas, frère? Prends-la, frère, s'il te plaît. Franchement, non. En plus, frère, c'est trop cher, s'il te plaît. Frère, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu, cette paire. Et abonne-toi à la chaîne du Whoop. Et n'oublie pas de télécharger notre application, le Whoop, sur Apple Store. Elle est gratuite, donc fais pas le crevard. Et on est de retour du 24 au 28 octobre au Bataclan. Les premières dates sont complètes, alors fais vite.